Moi, je viens de Brest, de Lyon, de Nîmes, de Saint-Étienne, et là, maintenant, je suis Messine. Et moi, c'est du 100% Lorrain. De Montigny-les-Metz. De Metz. Metz. De Sainte-Barbe. Donc, Ancy-sur-Moselle. De Metz. Metz. De Marly. De Chailly-les-Aulneries. Si Metz Métropole était un animal, ce serait une personnalité, ce serait un paysage, ce serait... Un paysage. Racontez-nous la dernière fois où vous avez été fier d'être Messin. Lorsqu'on a expliqué les projets Métis et lorsqu'on a expliqué le centre Pompidou. Ben moi, c'est quand je suis allée au petit jardin qu'il y a au théâtre il y a quelques jours. Je les ai trouvés superbes et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient comme nous. Mimé métis. Vas-y, pas. Ah ouais, c'est mieux. Bon. Pour moi, le centre Pompidou-Metz, c'est un très bel équipement, un très beau centre d'exposition, même si je n'aime pas spécialement l'art trop moderne. Et ce sont quand même des expositions toujours très intéressantes. Je m'installe à Metz pour quelques temps. Les fruits et légumes de nos producteurs locaux. J'aime pas, j'aimerais bien. J'aime. On a déjà vu les centres Pompidou. Les nuits blanches et la plage aux Parisiens. La prochaine fois, on leur prend quoi? L'or parisienne. Crazy Horse ou Moulin Rouge. Votre logement idéal. Un appartement à Metz, un pavillon à Cuvry, une ferme à la Connexie. Une ferme à la Connexie. Pierre de Jouveau, Mirabel et Romain. Romain. Vous aimez vous éclater où et comment? On se fait vieux pour s'éclater maintenant. Le dimanche idéal à Metz ou dans ses environs, c'est quoi? Ben, pour moi, c'est une promenade au col de Rudemont le matin, se manger un petit truc en ville et faire un petit tour au plan d'eau, dans les rues, voilà. Et aller à un concert éventuellement, s'il y a un petit concert dans les rues, c'est sympa.